Aujourd'hui, nous sommes à Kyoto avec Jenny. Et on va passer la journée à Kyoto, on va faire quelque chose d'un tout petit peu spécial. Donc je ne vous dis rien et je vous montre ça tout de suite après. Ça y est, il pleut. Là où vous purifiez les mains, et je vous avais déjà expliqué que ça c'était pour garder le saké. Aujourd'hui on va choisir des yukata, donc on va porter un yukata toute la journée et on est trop contente parce que moi c'est la deuxième fois que je le fais. Bon, pour Jenny c'est la première, mais ça va être trop bien. Bon, il me pleut un petit peu, mais je pense que ça va être plutôt sympa l'expérience. Regardez, il y a vraiment des jolis modèles. Et on a trop hâte. Visiter Kyoto en yukata ou en kimono, c'est vraiment une chose magnifique à faire. Voilà. Ça c'est pour les hommes. Là vous avez des petits sacs. Ça c'est moi. Ça va être super. Et voilà, nous avons nos kimonos demi. Donc moi j'ai un kimono, comme vous pouvez voir, qui est dans les tons rouges comme ça. Et Jenny, elle a un yukata, donc c'est le kimono en fait d'été, qui est un petit peu foncé. Et voilà, on est trop contentes. Ici on est dans un temple qui est juste à côté du gros temple en fait, Kyomizu-dera. Je sais pas exactement comment il s'appelle celui-là, parce que j'ai pas vu à l'entrée, j'ai oublié, mais c'est un tout petit temple en fait, enfin tout bien. Il est quand même assez moyen et il est très très joli, c'est gratuit. Donc si vous voulez aller juste à côté en fait du Kyomizu-dera, vous avez ce petit temple qui est gratuit et aussi sympa à voir. On a la chance d'assister à un mariage, donc je vous filme ça en exclu, que sur Osakurabana. Le
seul point négatif, c'est qu'on doit être en parapluie parce que il pleut pas mal. Mais bon, on profite quand même. Nous sommes arrivés au temple Kiyomizu-dera, c'est un de mes temples préférés de Kyoto. Parce que quand vous mettez le kimono, il y a plein de couches en fait. J'ai plein de couches dessous. Et je suis un peu en train de mourir de chaud parce que voilà, il fait assez humide aujourd'hui, il pleut, mais bon, il fait quand même assez chaud. Et le truc me donne énormément chaud. Donc... Parce que c'est dommage qu'il pleuve. Mais regardez avec quoi on marche quand même. C'est pas facile, hein. On est en train de choisir des porte-bonheurs pour que Jenny les ramène. En fait, vous voyez, il y en a un pour chaque chose. Donc ça, c'est pour la richesse. Par exemple, ça, c'est pour le bonheur. Ça, c'est pour porter chance aux enfants. Et c'est quelque chose de très commun. Le bonheur comme ça, acheté dans les temples, c'est quelque chose de très commun. Si vous voulez faire un joli cadeau, si vous voulez ramener un joli souvenir. En fait, la tradition, c'est qu'après un an, vous devez aller le ramener au temple. Pour que le vœu s'exauce, mais bon, généralement pas tout le monde le fait, hein. Donc vu que nous sommes des grosses gourmandes, je pense que vous avez compris jusqu'à maintenant, on avait envie de prendre un bon matcha. Et donc regardez ce que moi j'ai pris un matcha latte, donc matcha avec du lait, ça c'est chaud. Ensuite ça c'est un petit gâteau avec du matcha à l'intérieur, vous voyez que j'aime beaucoup le matcha, hein. Il y avait trois saveurs différentes, mais bon, moi j'adore ce qui est au matcha. Et Jenny donc a pris un kakiboli. Donc kakigori, je vous en ai déjà parlé dans un vlog, c'est de la glace pilée. Et ici elle a une boule de haricots rouges et là je pense que ça doit être de la glace à la vanille, aromatisée donc au matcha. Et ensuite ici ce sont des mochi tout mou en fait, avec de l'arôme matcha aussi. Donc je pense que là on en a pour on a du matcha pour une vie entière. Voilà, mais on adore ça. Allez, bon appétit! Tadakimasu! Vous pouvez rajouter du sucre parce que en fait le matcha c'est assez amer. Bon, vu que moi j'ai du lait, je vais pas en rajouter, mais si je sens que c'est trop amer, je rajouterai un petit peu. Pour moi, comme ça suffit. Il n'y a pas besoin de sucre. Il est super bon. J'adore ces rues typiquement japonaises avec les devantures comme ça en bois. Le sol comme ça, c'est vraiment très japonais. Les maisons sont très basses ici, comme vous pouvez voir. Et je vais finir le vlog ici parce que nous avons très chaud. Franchement, on n'en peut plus, il fait super chaud. Bah, toi encore, bon, c'est du coton, mais moi avec le kimono, j'ai 30 000 couches et j'ai très chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver une collègue à moi du travail. On va continuer un tout petit peu la promenade et ensuite, bah, dans...
Ouais, dans 2 heures à peu près, on doit ramener les kimonos au magasin. Donc on va ramener ça et on va rentrer à la maison doucement et on va prendre une très bonne douche, ça va nous faire beaucoup de bien. Voilà, voilà, en tout cas si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et si un jour vous allez à Kyoto, n'hésitez pas aussi à louer vous aussi un kimono ou un yukata, c'est vraiment une expérience incroyable. T'as aimé l'expérience? Ouais, c'est super, vraiment un truc à faire. Vraiment quelque chose à faire, ouais. Et ça coûte environ en moyenne 5000 yens. Donc c'est pas non plus la mer à boire et c'est quand même quelque chose de mémorable. C'est un bon souvenir du Japon, voilà. Voilà, voilà. Ben on vous dit à très très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à plus. Bye bye.